C'est un virus très rare en France, l'encéphalite atique. 30 personnes seraient concernées dans l'Ain, 10 d'entre elles sont positives et les autres sont en attente d'analyse. Ce virus est transmis à l'homme par piqûre d'une tique infestée. De façon très exceptionnelle, l'infection peut se faire après avoir consommé du lait cru ou du fromage au lait cru d'un animal piqué par une tique porteuse du virus. Et dans l'Ain, cette hypothèse est privilégiée. C'est à force d'interrogatoire qu'on a mis le point commun qui était donc une consommation de fromage, en sachant que ce point commun est en cours d'investigation. Un retrait rappel a été effectué sur ces fromages d'une exploitation agricole et certains tiques pourraient venir de pays frontaliers. Il y a des pays qui sont beaucoup plus à risque pour ces encéphalites atiques que la France. C'est le cas de l'Autriche. Donc il faut se dire que nous sommes voisins de ces pays-là, surtout de la Suisse pour l'Ain. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on ait des cas d'encéphalite atique dans l'Ain. La situation épidémiologique en France est mal connue. Une vingtaine de cas sont diagnostiqués par an.